Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons. Voilà, nous jouons. Carthaz. Mama. Alors, où tu sais qu'on en était? Ok, oui, j'avais une deuxième plot en recrutement. Je venais de prendre Caturba. Attendre que les éléphants et la cavalerie se reconstituent un peu. Je vais aller prendre Garida. S'ils ne le prennent pas avant moi. Ah, c'est ballot. Il va me falloir un tour supplémentaire. Vous voyez ce petit point bleu là qui me dit non, il faudra encore marcher. Après avoir marché. Pas de chance. Ok, du Lusitanien, du Lusitanien. On va voir mes agents. Tiens d'ailleurs, c'est-y qui sont placés. Impeccable. Ah oui, c'est vrai que... Il y a un patricien. Là, juste comme ça, si je fais renversement d'agent, recruter 6%. Ça vaut pas le coup de tenter. Oula. Probable risque de sécession encore. Ça faisait longtemps. Ah, MDR. C'est drôle, dis donc, j'ai bouffé un clown moi. Renforcer la promotion. Matriarche. Plus de stats, de l'ordre public dans toutes les provinces, moins de corruption dans toute la faction. Moins de corruption, plus de flouze, de fric, d'argent, de thunes. Voilà. Carthage, qui donnera quelques années plus tard la Suisse. Non, c'est pas ça. Barcide et les maritimes, il n'y en a pas du tout. Ça, c'est très bien. Pourquoi il n'y a pas de maritimes? C'est parce que ils n'ont pas assez de soutien. Assez d'influence. Ah, les deux sont à 7%. Ah ouais? Ok, pourquoi pas. On va pouvoir terminer le tour ici. Les Romains, ils ont essayé sûrement de faire une action contre mon juge, encore une fois. Ils réussir après leur xème tentative? Non. Merci. Non. Merci. Putain, ils ont pris Garida. Gadira. Pourquoi Garida? Ça m'énerve. Ils sont esquintés, eux. Je vais les voir. Ouais, d'accord, là, ils perdent des hommes. Hein. Je peux pas recruter ici. Ah, ouais. J'ai pas fait ma sauvegarde. Oups. Ici, un aqueduc. Et un champ d'entraînement, quand même, un champ. On va attendre les mines. Ah. Tu as un rab chez lui. Tu veux du rab à la cantine. Ok. Ok. Là, je crois qu'il n'y a plus qu'un bateau à construire, c'est très bien. Et puis,
si on va attaquer sa classe 6. Hein. Les pertes que j'ai, quoi. Il me dit 38% de pertes. Sérieusement. 38% de pertes, quoi. Sachant que j'ai un avantage numérique plutôt conséquent. Ça m'embêterait d'avoir ces 38% de pertes. Oh, jolie falaise. Très jolie falaise. Alors un petit instant, excusez-moi. Merci de votre patience. On peut commencer. Oh. Quel magnifique spectacle. N'est-il pas? Ils sont où leur artillerie derrière? Il y a quelques navires de ci, de là qui ont pris des dégâts, c'est pas non plus flagrant. Il y en a quelques-uns qui crament. Oh, il y en a un qui a bien cramé. Deux qui ont bien cramé. Ah. Ok, ça va. Oh, trois. Bien. Est-ce qu'il commence à... Oui. Alors. Vous deux sur lui. Vous deux sur lui. Vous deux sur lui. Vous deux sur lui. Je sais pas ce qu'il a cru. D'accord, je sais pas lequel est allé dessus, mais pourquoi pas. Hop, et on termine le dernier. Ouf, 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 ouf. Donc j'ai eu 38% de perte. Bon. Non, non, j'ai eu 1% et demi de perte. C'est somme toute raisonnable. J'ai toujours pas un seul navire en or, quoi. C'est niveau monde de manière ultra équilibrée. Bon, à part pour les deux derniers. Mais à part ça, ça monte de manière très équilibrée, quoi. Couler. Couler, coucou, les coucous, tâche, tâche. Voilà. J'en profitais pour... Je voulais voir un truc, c'est quoi ça? Ah ouais! En territoire étranger? Comment ça? Qu'est-ce que... Enfin... Est-ce que là j'ai contesté ou partagé ou... sécurisé, je sais plus... Partagé? Ok. Je sais pas trop.
Et donc là, j'ai encore des Nous pertes. battons pour vous, monseigneur. Monseigneur. Ah! C'est pas un nouveau tour, d'accord. Tant mieux, j'avais fini le mien. Alors, accès. Non, merci. De toute façon, on va pas s'aimer. Hein. Je suis en train de taper sur ton copain romain. On a blessé un agent ennemi. Pour son mine, un prix, mais le nouveau mercenaire apportera bien plus que l'investissement. Bien. Confédération tribale. Les Helvètes. D'accord. Faction émerge. Les Épires. Ah! Ils sont de retour, effectivement, à Polonia. Ah. Je vais sauvegarder d'ailleurs. Ah, je crois que j'avais déjà sauvegardé. Mince. Bon, c'est pas grave. Où est-ce que j'en étais là? Ok, je venais de faire ça. En vrai, j'ai de l'argent, donc autant le dépenser. Sur de nouvelles constructions. On va faire ça. Hop, de direction Caralis. Toi. Je sais pas s'il y en a en Adriatique. Des Romains. Ah non, mais toi tu devais. Tu vas aller à Ibosim. Ouais, tranquillou, hein. Pas besoin de se presser. On va voir. Perdre encore des troupes. Tout, monseigneur? Toujours pas de vision? En marche. Non. Monseigneur, On va voir. prenons cette colonie pour vous, monseigneur. Ah ouais. On entend dire, ils ont perdu beaucoup de troupes là. Ils meurent de faim, je suppose. On va raser, on n'a pas l'intérêt de tout ça. Et il n'y a plus de Celtes. Magnifique. Il y a Lusitanien juste à côté. Là, on va reconstruire, mais avec nos bâtiments. Et une terre consacrée. Ils sont toujours en réparation. Reconstitution. En reconstitution. Trois et 10, non. Parce que là, Carthage, tout seul, elle me rapporte bien. Hein. La vache. Je sais pas trop comment, mais elle me rapporte. Ouais. Beaucoup de commerçants. Hein. Des jeux? J'ai du pain et des jeux? Ouais. On va voir. Et les Romains, ils ont quoi? Ils ont une nouvelle flotte. Ils ont deux belles légions. Ok. Est-ce que je peux améliorer? Oui. Terminons le... Non. Terminons rien du tout.
pardon. Ah bah dis donc. Désolé, je vais sûrement beaucoup me moucher. On est dimanche aujourd'hui. J'ai totalement oublié de me rabouter des antihistaminiques. Alors j'en prends pas souvent, pour être honnête. Mais disons que quand on est dans le dur, c'est du bien. Ok. Ok. Ah, Elissa. On va sauvegarder avant. C'est-à-dire que j'ai un enfant qui est enfin arrivé à l'âge adulte, c'est bien. Alors quel âge? 45 ans, ça va. 4, 4, putain, c'est adulte 14 ans. Merde, ça va plus vite. Là, je vais. Alors honnêtement, je veux bien que dans le jeu, je savais que c'était plus rapide, mais alors à ce point-là. Mince, je pensais pas. 14 ans. Ah bon, au bout d'un moment, quoi. T'es pas majeur à 14 ans pour moi. Hein. C'est mon avis, mais bon, c'est plus l'équivalent à un gamin qui fait des conneries, quoi. Alors, oui. Non? On vient de prendre? Ah non, il y a encore des tours de construction. Ok. Ah voilà, cible. Faire des cibles. Et y a pas de route? Ah ouais, si la route a fait zut. Ah c'est pas ouf. Pas terrible comme autant les gars. Vous auriez pu faire une petite route comme ça quand même. On va y aller en embuscade et on va y aller tranquillement vers Olisipo. En plus ça nous rapportera du fer, c'est bien. Je suis un peu dégoûté par contre de pas avoir pu garder Garida. Gadira. Ah! Allez. Par contre, mon revenu, 911 par tour. Call 911. C'est. Ah, bah mon juge s'est débarrassé de l'agent romain. Non. Non, tu sais très bien ce qui t'attend toi. Accords commerciaux. Oh non, ils vont te payer, c'est hors de question. Ah, il était blessé. Et Bora? Effectivement, Ebora subit un siège. Alors, attendez, on va sauvegarder comme d'hab. Donc mes troupes sont assiégées par ces troupes. Tu me diras, somme toute logique. Je sais même pas si elle peut se débrouiller toute seule. Apparemment non. Ok. Et comme j'ai totalement la flemme. On va faire venir mon général. Hein. Salut les gars. Ouais, ok. Assaut encore un tour. Oui, avant édition, on va faire ça tranquillou alors. Ouais, tranquillement. Caralis, c'est bon. Ça. Et lui, il est rentré. Hein. Lui, il s'est dit, ouais, non, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Hein. Pas grave, faisons un blocus à Néapolis. Vous me connaissez? Maintien le blocus. Qu'est-ce que je fais? Je peux pas vraiment lever de troupes parce que j'ai pas d'argent.
Mais j'ai beaucoup d'argent et j'aimerais au moins le dépenser, quoi, que ça soit utile un peu. Pas forcément tout, mais. Un minimum. Plus un zèle pour la cible. Oh, pourquoi pas, tu vois. On va le donner à mon général, à mon dirigeant de faction. M'a fortement complimenté, dis donc, pendant longtemps. C'est quoi ça? Un autorité pour les membres ciblés. Ouais. Ça, ouah, ça lui fait 13, 3, 9. Voilà. Ça, c'est des stats. Hein. Épouse aigrie. Oh merde. C'est con ça. Ok, on va terminer le tour ici. Oh, comme c'est gentil de votre part. Oh, vous en avez fait partir quand même avant. Ah, il est pas fou, je crois qu'il commence à comprendre. Il avait plus de troupes, je crois. Ok, il avait une légio toute neuve. Quoi? Bon, ça va. Bon, je pense que il y a des renforts qui peuvent venir de là. Je suis même à peu près sûr que des renforts vont venir de là. Donc. Ouais, il y en a deux là. Ici et derrière, ça me va. Ça va. On va voir comment que ça se passe. Deux navires coulés sur la première salle. Vous êtes chaud les gars aujourd'hui là. Bon d'accord, là vous êtes un peu con aussi, mais bon c'est pas grave. Trois navires coulés en deux salves, c'est pas si mauvais par rapport à ce dont vous m'avez habitué, c'est même plutôt bon. Bon. 3 pour 3. C'est pas si pire. C'est bon les gars. C'est bon. Rassurez-vous, hein. Il fait un chaud en plus de noises seul. Hein. Du prix qui pèse du triari. Du prix qui pèse et des prix qui pèse. Dès que j'en aurai fini, je décalerai un petit peu sur la droite, je pense, mes navires. Ok. Est-ce que j'ai vraiment besoin de les décaler sur la droite? Est-ce que ça va foutre les boxons? Allez. Je ne suis pas sûr que c'était la meilleure idée que j'ai eue quand même. C'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Ça a pas l'air si terrible.
J'ai connu puis j'ai parlé trop vite, je crois. J'ai cinq navires qui font n'importe six navires qui font n'importe quoi. C'est bon, tu vas couler ou me donner un coup de main là? Peut-être te donner un coup de main? Pas besoin, ok, d'accord. Là, va y avoir besoin d'un coup de main. Oh, joli, dommage, il était déjà vide. Je compte sur vous, les gars. Couler tout ce qui approche. Si je sais, ça vous paraît insurmontablement impossible. Il n'y a plus que 4 navires. 3, 2. Un navire. Voilà. Encore une bataille parfaite. 3220. Perte subie par les Romains. Qui vont me permettre une fois de plus de m'en mettre plein les fouilles. Fin d'une unité route en sacrifiant une unité est un moyen sûr de faire sortir un défenseur d'une position. Si c'est bien fait, oui, sauf si c'est des troupes qui sont très. Enfin, qui font pas de la merde, quoi. Ah! Les jeux 3. Fulminata. Oh, merci de venir. Bon, bah, c'est reparti. Je me disais bien qu'il en restait un peu sous le coude. Toujours pas un navire qui est un bon rang. Hein. C'est un rang, on va dire, supérieur. Hop, on va mettre en accéléré, hein, je pense que ça devrait le faire. Ça a pas l'air, hein, ça a l'air laborieux. Il avance en mode, ouais, tranquille, hein. Voilà. Rapide, efficace. 2 minutes 41. Je crois qu'on doit pas être loin d'un record, hein. Qu'en pensez-vous? Oh là là, ils m'auront donné tellement d'argent sur un tour. Non. And you know why. And you know why. Il n'y a pas un truc comme ça? C'est quoi ça? Couche? Ah ouais. Non, tu te débrouilles, hein. C'est ton problème. Sécession?
Alors là, par contre, c'est. Je suis pas vraiment sûr que ça me soit déjà arrivé, ça. Faut que je sauvegarde, faut que je sauvegarde, et alors là, j'ai. Effectivement, ils ont fait sécession, donc les séparatistes ont fait sécession. Comme le montre ça, le parti maritime a fait sécession. Et parti maritime possédait la province d'Edora. Déborah. Parce que malheureusement, Ebora subissait le siège des Lusitaniens, des héros de la Tessina. Prêt pour vos ordres. Je vis pour servir la puissante. Laissez les battre prêts pour la bataille. Ce qui fait que. Pas besoin de combattre pour récupérer la ville. C'est. Et je sais pas. Et qu'en plus, je vais les démonter d'une facilité parce qu'on a tout le monde dans le coin, quoi. Et d'une facilité, j'ai parlé trop vite, apparemment. Je vais vraiment devoir la jouer en manuel parce que regardez les pertes là. La jouer en manuel. Ok. La bataille sur le champ. C'était clairement pas prévu. Donc on va se placer en attente des renforts. Les renforts viennent derrière, donc il n'y a pas de souci. On va juste voilà, réorganiser un peu tout ça. Voilà. Ouais, d'accord, il prend la hauteur lui, pourquoi s'il veut. Il peut prendre la hauteur quand t'avances avec des piquets. Ah ouais! Ah ouais! Bah. C'est pas prévu ça? Ah oui, ils viennent de là. Ouais. Et eux, ils les auraient pas vus par hein, vraiment. Ouais, ça me fume ça. Envoyer les éléphants foutre un bouxon pas possible. Pendant que j'essaye de faire décaler moi un maximum mes troupes. C'est quoi ça? C'est de la cavalerie. Je vais peut-être perdre des. Quelques unités d'éléphants quand même. Est-ce qu'ils sont tous arrivés là? Non, ils sont pas tous arrivés. Presque. Alors que je fasse attention quand même là. Ils sont fait accrocher ma cavalerie? Non, même pas. Ok, tout le monde est arrivé. Je vais juste les réorganiser ici, voilà. Là, ils vont sûrement vouloir faire venir leurs troupes pour attaquer par derrière. Donc là, je fais un mur. Et ici, je veux que le mur il soit comme ça. Pas de feu à volonté pour l'instant. Hop, leur cavalerie, bah, pas faire grand-chose. Là, ce qui me saoule, là, c'est qu'ils vont se prendre des. Elle a tenu leur cavalerie, là, con. Frondeur. Deux unités de frondeur, je vais y envoyer ma cavalerie. Pardon?
Ouais, bah oui. Bah oui. Pourquoi il bouge pas, lui? D'accord. Ok, c'est bon, il a compris sa connerie. Donc, hop, on annule, les gars, à annuler l'ordre. Et là, si vous voulez bien... Les éléphants, ils bougent pas. Hein. Ouais, ils piquent, là, ils se prennent quelques projectiles. Hein. Bien méchant, quoi. Là, j'ai la cavalerie qui va surtout charger les... ces unités. Derrière. Eux, ils pourront pas briser les des lignes de piquet de face. Continuez votre charge. Il y a des dégâts quand même, hein. Il y a des dégâts. J'ai pas envie d'envoyer les... Si je peux... Hop, on va envoyer sur, sur une charge là. Bah ça a piqué un peu pour eux, quand même. J'ai oublié une troupe là? Ah oui, j'ai oublié mon éléphant de... Enfin, de mon général. Là, bah, il essaye de passer, hein. Il arrive un peu, hein. Je sais pas comment, mais il arrive un peu. Hein. Bah, ça doit être les piquiers... Carthaginois doivent pas être terrible, terrible, quoi. Cavalerie prend très cher par contre. Hein. Je vais la faire partir parce qu'elle prend vraiment très très cher. Beaucoup trop cher même. Je sais pas trop à quoi c'est dû mais ça fait pas plaisir du tout. Attendons, on va demander aux éléphants de bouger un peu leur masse. Pendant que là... Hop, voilà, on va les envoyer eux et on va envoyer Cléoplite sur la deuxième partie des troupes ennemies. Là, on aura fait un massacre. Bon, il y a quelques éléphants qui sont tombés quand même. Voilà, les piquets. Il n'y a plus grand chose. Ah si, il y a quand même des éléphants. Bon, bah, je vais prendre les piquets. On va faire ça sur une ligne pas trop longue, pas besoin. Et on va foutre derrière les javelots. Avec tir enflammé, feu à volonté. On va accélérer, on a tout mis en marche. Pas besoin de les fatiguer. Hein. Voilà. On les fait se repositionner. Juste pour rappel, ils ont encore une unité à distance. Aucune. C'est super. Que demander de plus? Alors, je vais juste mettre deux unités de hoplite de chaque côté pour éviter les charges de cavalerie. Donc là, les gars, ils courent, ils courent. C'est vrai que sont des hoplites moyens. Dit, ils sont rapides par rapport aux piquets, ils sont quand même en formation, mais en fait ils sont des hoplites moyens. Donc. C'est normal qu'ils soient plus rapides.
Hop, ils sont presque enfin positionnés. Voilà. Donc on va s'avancer tranquillou. Je peux même dire au cas où j'ai besoin de renfort. On met ça là. Oh, ils peuvent courir. Hein. Ils sont en forme. Ça se déplace en masse. Pas comment ils sont ici, hein, mais ils sont à peu près un millier, un bon millier même. Ah, on recule un peu et on se replace. Les éléphants là qui veulent charger. Ouais. Remets à leur face, on va leur balancer nombre de flèches enflammées. Et contre des piques, bon bah ils avancent mais c'est pas trop ça quoi. Hop. Stop, 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 stop. Arrêtez, arrêtez les tirs. Voilà. Ils ont dû exécuter leurs éléphants parce qu'ils étaient dans le tas. On avance tranquillou bilou. D'ailleurs, est-ce que je suis toujours en rafale enflammée? Oui, on va passer en rafale de base. Et tir volonté. En train de trimballer les cadavres d'éléphants, quoi. Merde, on les fait glisser! Comment ça? Regardez! Cette puissance de là! De la phalange de piquet, ça! La vache! Il s'échauffe, quoi, en poussant de l'éléphant. Lui, il le pousse tout seul, presque. Hein. C'est. Là, ça me fait bien rire, ça. Mamma mia. Les pauvres éléphants. C'est un peu. Ah, peut-être d'un sens, ça me fait mal au cœur de voir des éléphants traîner comme ça, des enfants morts, des éléphants traîner comme ça. Et d'un autre sens, ça me fait rigoler, parce que ça n'a aucun sens. C'est quoi ça? Ah oui. Voilà. On est presque à portée de tir, je pense que là on sera pas mal. On va être à portée de tir. Le bataillon sacré.
qui va prendre beaucoup beaucoup de javelots normalement. On a bien un tir à volonté, oui. On se prend une belle salve. Ou un feu continu, c'est bien aussi. Là nous on va se prendre une salve du bataillon sacré je suppose. Ah il tombe comme des mouches par contre. Ah, les tirs continuent là, ils aiment pas. Top. Je pensais qu'ils auraient des munitions. Pourquoi? Qui a continué là? Je leur dis d'arrêter, il y en a un qui continue. Faites-les exécuter, c'est bon. Décimation 1 sur 10 au hasard, paf. Comme à l'époque des Romains. Profitez pour me replacer ici parce que... Ça a un peu bougé. Ah bah ils avancent pas hein. En même temps qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'ils vont chercher à faire? Ok, bon. Je sais pas. Lors de hoplite. C'est bien, plus vous êtes serré, plus vous prendrez des dégâts par mes troupes. L'outil saute, L'outil est chaud là, y en a un, il est chaud là. Il va vite refroidir. Hein. Tiens d'ailleurs. Voilà, bah, ils sont plus de 15. Hein. On va laisser fuir tranquillement. On se remet un petit feu à volonté là. La question c'est ce que j'ai apporté. Moi j'aurais dit oui, mais apparemment le PC dit non. Vu que c'est le PC qui choisit. Là ouais, eux aussi ils sont considérés comme en train de bouger ou même là on peut tirer dessus quoi. Bon alors c'est d'un tic là. Par contre, vous faites feu là, les gars, au bout d'un moment. Voilà. Un bataillon sacré. Et la cavalerie noble qui prend des dégâts. On va vider les munitions, il n'y a pas de souci. Ça fait pour. Oh, je suis plus en mode garde. Oh, c'est bizarre ça. Voilà, la cavalerie, ça tombe. Hein. Cavalerie, les bataillons sacrés, un peu tout. Oh, ils ont des piquiers. Oh. Ah, ça y est, ils comprennent que faut peut-être pas rester là. Bon, par contre, mes unités ont pas compris qu'ils n'étaient pas restés là. Oh. Une petite charge. Non, oui, non. Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Bon, c'est le feu à volonté, ça sert à rien. Oh, oh, non, il va pas charger de front contre des piquets, non. Ah. En un moment, j'y ai cru. Bah, ils sont confiants, eux. Mais ils sont confiants.
Ils essaient de se mettre en ligne pour percer avec le cadavre de leur copain. Bon, ok, très bien. Quelques petites pertes, vite fait. Bon, fais à volonté. Continuez, hein. Revenu là. Profitez-en. Wow. Ah ouais. Ah, j'en ai qu'un peu de munitions. Ouais, mais un bon niveau par contre. Ah, j'allais bouger un peu sur le côté, mais pas besoin apparemment. Garde du corps du général. Vous n'êtes pas très très bon. Ils sont combien à la 4? Ah oui. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont bien recentrés, donc tu peux faire feu avec tout le monde. C'est génial. Merde. Il s'est recentré aussi, c'est cool. Ils sont d'une gentillesse, franchement. Ils sont 4 quoi, s'il te plaît. Ils se prennent même des tirs perdus, quoi. Et quel de vous trois tiendra là le moins longtemps? Infanterie de piqué parée. En vitesse. Donne un coup en avant, en bas. Les trois. Les trois n'auront pas tenu beaucoup plus longtemps. Il va essayer de passer sur le côté. Oui, c'est ça. Mais il s'est dit, ah bah non, c'est pas possible, je vois pas de... Ce mur continue, mais bah, paraît que difficilement franchissable. C'est étrange, tiens donc. Étrange concept. Déjà? Non. Ah si. Déjà? Ouais, oh, les gars, un peu de fun. Ah bah non, pas de fun. Piqué, ils ont fui. Ah bah y'a plus de général. Oh bah y'a plus. Bon bah terminé. Voilà. Des perdants avec une cinquantaine de pourcents de pertes. Quelque chose comme ça. Gagnant avec une cinquantaine de pourcents de pertes, je veux dire. Bah écoute. J'ai jamais été bon en pourcentage. On va dire que j'ai jamais été bon en pourcentage, je suppose qu'ils ont raison. Que 170 c'est 50% de 4712. Hop là. Merci d'être passé les gars en tout cas. Là je vais faire un petit fort quand même. Et là. Là je peux pas y aller. Oh merde, c'est con ça. On sait avoir la portée, bon bah autant pour moi. Hein. Là les gars, vous voulez m'envoyer un peu du monde? Comment ça s'ennuyer chez vous? Une sécession de jugulés, c'est magnifique, non? Ah! Rab Kuanin. C'est un Rab Kuanin, c'est bien ça. Je sais pas ce que vous avez dit. Hein.
quelqu'un parle le carthaginois, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Donc, personnellement, je ne parle pas le carthaginois. Ah, il parlait grec, non? Un mélange de grec, de je sais pas quoi, de grec, de romain, de latin, je sais pas. Je dis sûrement de la merde. Phénicien, il parlait peut-être un mélange de phénicien, de grec, de méditerranéen, globalement. Il y a bien une langue. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? J'aime pas quand je vois des petites flèches descendre là comme ça. Non. On est sur du développement militaire actuellement. Démoralisé. Rien à foutre, hein, regarde. Déjà, ils vont aller à Ebora. Voilà, je sauvegarde. Voilà, je les repousse. Deviens tacticien. Je mate les Lusitaniens. Au nord de Ebora. Ils m'ont rapporté 2800 là? Je pensais pas autant quand même. Ah, je dois avouer, 2800 ça me. Wow, ça m'impressionne. Pour 3 pauvres d'unité. Et mais ok, ici il se passe toujours rien de fun. Ça monte de niveau tranquillou. Oh, Marbal. Tu vas pouvoir te marier, félicitations. Tu te maries à 20 ans, c'est un peu tard hein, quand même. Hein. Peut-être falloir hein. Se dépêcher pour les autres. Oh merde. Je t'ai persuadé que c'était un homme. On a un parti conservateur. Alors, les conservateurs, il y a quoi dedans? Mercantile, ok, ça me va. Xénophobe. Moins cool. Expansionniste, ouais, c'est de vrais conservateurs. Hein. Là, je peux faire un. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Empire, Ligue. Royaume. Ah ouais, plus 10 heures de public pour toutes les provinces, ça c'est pas mal. Hein. En début de partie, c'est vraiment pas mal. Ouais, parce que je serais en négatif, je pense, dans pas mal de coins. Si j'avais pas ça. Oh que oui. Son comté. Ici et là. Ouais. Ok. Ok, tour suivant. On va aller au Lysippo. Oh, bah dis, j'ai essayé pendant longtemps, hein. J'ai essayé pendant longtemps. Oui, bah oui, bien sûr que oui, que j'accepte. Faire rentrer des thunes. Alors, que me veux-tu? Oh, j'ai perdu un. Ah, il a été blessé. Putain, le salio là. Tiens, reprends ma tête. Entraînement de cavalerie.
Et dire qu'elle était en embuscade, donc invisible. Hein, et bien, il a su tout de suite où la trouver. Hein. Et je dis ça. C'est sérieux, là, c'est... Enfin, elle n'est pas gagnée direct. Attends, faut les assister, hein. C'est... C'est terrible, hein. Bon, d'équilibre. J'espère que j'ai pas eu perte d'éléphant, mais quand je vois mes pertes là, à mon avis, je vais en avoir perdu. Ouh, ça peut jouer à grand chose. Putain. Oh la vache! 6392? Bah ouais, je pille. On en parle hein. Ils étaient riches comme Crétus là, c'est pas possible. La vache. Je pensais pas. Entrepôt portuaire, y'a quoi ici? Pas grand chose. Vraiment pas ouf. Hein. On va faire à manger. Ok. Bon, j'ai toute la province de Lusitania, ça c'est cool. Ils veulent pas défendre. Viendez défendre vos possessions quand même les gars. Je crois qu'ils ont compris, ça y est peut-être, enfin. Après, prompte défaite. Peut-être que le PC l'IA s'est dit avant. Peut-être arrêter de faire le con quand même. Peut-être arrêter. Sinus Gallicus, c'est où ça? Océanus. Sinus, ça doit être là, la Sinus Gallicus. Ah non. Sinus Gallicus. C'est là. Oh. Maintenez un total des unités de mercenaires. Ça, c'est bon. Ok, il me faut quoi ça? 18 colonies. Ouais. On verra. Ok, il y a un bon général ici. M'intéresse pas plus que ça ici. Hein. Surtout là où j'ai des piques. Ah non, ils sont là, mis piqués. Oh, c'est con. C'est ballot. C'est par ça. C'est pas grave, c'est comme ça. On avance tranquillement. Ah! Ça y est, accord commercial. Yes. Incluse Égypte. Égypte. Ils veulent pas. C'est ballot. Bon, on va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Et on reprendra lors du prochain épisode sur une petite bataille contre les Romains. Apparemment. Allez, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. C'était Thiob. Ciao.